Salut, c'est Laurent du blog Batteur Extrême. Je fais une courte vidéo juste pour vous donner une astuce pour réduire le son de la grosse caisse. Si vous avez une batterie acoustique et un son de grosse caisse qui résonne vraiment trop dans une petite pièce, par exemple, comme c'est mon cas, en fait, l'astuce consiste à mettre des coussins, des draps, des serviettes, des couvertures dans la partie de la grosse caisse, en fait. Donc là-dedans, vous aurez un son qui résonne moins, en fait. Je vais vous montrer le son avant sans rien dedans. Et après, je vais mettre les couvertures, les coussins dedans. Et je vais refaire un test pour vous montrer la différence. Allez, c'est parti. Donc là, il n'y a rien dedans. C'est vide. Voyez que ça résonne beaucoup. Le son, il reste vraiment longtemps. Et ça perturbe un peu toute la sonorité. C'est un peu cracra, quoi. Les coussins, les couvertures dedans et on se retrouve après. Voilà, j'ai mis la couverture et une serviette dans la grosse caisse. Je vais vous montrer à l'intérieur dedans. Ça fait comme ça. Voilà. J'espère que vous voyez assez. Il y a peut-être pas assez de lumière. Et j'ai laissé un petit peu d'espace entre la peau. La première peau et les couvertures pour éviter que ça étouffe trop. Je vous montrerai le son comment il sort quand c'est comme ça. Et ensuite, je vais coller au max les couvertures et les serviettes à la peau pour montrer ce que ça donne un son étouffé. Donc là, je vais faire un test, premier test. Premier test avec les couvertures. Donc là, on voit que le son il est beaucoup plus étouffé, il est beaucoup plus net. Donc, je trouve ça beaucoup mieux. Dans une petite pièce, ça résonne moins. Maintenant, je vais essayer de mettre les couvertures collées à la peau. Voilà, là, j'ai collé les couvertures à la peau. Je vais refaire un test pour voir la différence. Donc là, on voit que le son est encore plus étouffé, plus court, plus net. Ça dépend de ce que vous recherchez. Moi, j'aime bien avoir un son très net, mais là, c'est un peu trop. Donc, je vais décaler un peu les couvertures. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne avec un coussin vraiment en fermant tout là. Il n'y a plus d'espace libre. Voilà, le son il est vraiment plus net. Là, j'aime bien. Et maintenant, je vais faire un dernier test en mettant la peau. Voilà, j'ai terminé de mettre en place la peau de derrière. Je vais faire un test. Pas comment vous entendez avec la caméra de mon portable, c'est peut-être pas top. Mais en tout cas là ça sonne pas mal, c'est assez net, c'est comme je veux, c'est court. Ça résonne pas trop dans la pièce, donc j'aime beaucoup. Voilà, si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et à la prochaine. Ciao.